45-10, non, merde. Et zut, et zut. Ah, yes. Mais d'accord, replay. Du coup, ils vont sur la planète des xénomorphes. Donc, du coup, le coup de Marlowe, en fait, c'est le mec qui a engagé l'expédition pour aller sur la planète. J'ai un peu rechargé tout le bousin là parce que j'ai pas confiance en vrai. Plus de balles, ok. Fusil à pompe. Ok. Taser. Ok. Fumigène, non. Medikit, je peux en faire encore un. Ça, c'est ok. J'utilise maintenant en vrai. Elle a plus un bras, c'est. C'est une éponge son bras maintenant. Ça, c'est bon, cocktail molotov, j'en ai pas assez. Non, grenade aveuglante, c'est bon. Émetteur de son, j'en ai encore deux. Ouh, je suis nickel. Là, le pistolet à clous, ok. Bon. Ok. Allez. Allez. C'est tellement stylé. Let's go. Ça nique les yeux un peu, non? Ici, c'est une usine de biscuits. Ok. Oh putain. Un. Un. Ah. Un. Je... D'accord. Ça a pété. Ricardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie de base de l'Anécidora en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Ok. En tout va bien, on est encore vivant, c'est déjà ça. Je te souhaite la bienvenue à bord de l'Anécidora. Marlowe ? T'es où, Marlowe ? Marlowe ! Mais c'est du cash. Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Au cas où, si vous avez pas compris, Marlowe c'est un traître, hein. Trouvez Marlowe. Il faut que j'aille où du coup? On va aller sauvegarder. Ah c'est ok. Kaboom. Ah non, pas encore. Non, je vais finir le jeu, moi. Là. Ça me fait rire, le fait qu'il y a le face, enfin, qu'il y a l'œuf juste à côté, j'ai l'impression que je renifle dedans, en mode... Ah, ah. Désolé, j'ai pas d'implant. Ricardo, il est gentil, mais non. Attends, Ricardo. Ah non, mais non, ici, Ricardo, si. J'ai confondu, mais si, il est gentil. Ta gueule! Marlowe m'a appelé. Il avait promis de donner toutes les infos qu'il avait sur la créature pour que je les rapporte à la compagnie, mais. Taylor? Taylor! Marlowe, qu'est-ce que tu fous? Ce que personne n'a les couilles de faire. T'as qu'à venir me chercher, Ripley. J'ai quelque chose pour toi. Alors, oui. Petite note, on a eu quelqu'un qui. Enfin, au début du jeu, on avait quelqu'un qui était avec nous, une petite.
C'était pas une avocate, c'est vous savez, ces genres d'experts qui font l'état des lieux en fait. Littéralement, en fait, c'était une représentante de la Wayland Yutani, en plus de l'androïde qui nous a accompagnés, Samuels. Et en fait, on est allé. En fait, on était avec du coup Ripley et elle. Et Samuel, ce androïde, on devait aller chercher la boîte noire en fait. Et en fait, elle était mal au point, tout simplement. Et du coup, le fait qu'elle bossait pour la Wayland Yutani, on pensait que c'était une connasse, sauf qu'en fait, non, c'est elle est juste sympa, quoi. Mais en fait, là, en fait, non, elle est en mode replay, je suis désolé, je travaille pour la Wayland Yutani, mais en fait, je suis pas méchante, quoi. Oh non, 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 pas ces merdes! Non, 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 calme-toi, calme-toi. Non, non, je suis mort, 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 mort. Putain, ça y est, le jeu devient sérieux. Tu sniffes de l'œuf? Ok. Trop peur maintenant. Non, 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 non. Pas de bruit. De l'alcool. Ok. La chose qui s'est accrochée à votre argent, j'ai trouvé pas. C'est la saison la plus proche, donc je vais le faire avec le sculpté 40 dans le cœur. Partager, y a rien dedans, c'est magnifique. Et merde. Ah, les ordinateurs de l'époque. Audio. Anessidora, ici le Marshal Waite de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service. Et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de ladite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Waits, terminé. Les mecs qui parlent, littéralement, les mecs qui parlent des xénos comme si c'était des chasseurs de primes, quoi. Moi, ça me fascine. Je ne comprends pas l'intérêt. Quelle est cette fascination pour ce truc, quoi. D'ailleurs, il y a je crois que j'en ai déjà parlé, mais il existe un comics où il y a des humains qui vénèrent une reine alien. Et pour une raison que j'ignore encore, la reine alien épargne ces humains. Parce qu'il la vénère comme si c'était une vraie déesse en fait. J'aimerais beaucoup lire des comics Alien en vrai. Et des versions traduites, ce serait vraiment, vraiment cool. Ah putain! Arrêtez de faire du bruit! Ok. Deux fois, hein, deux fois, jamais 203. Ok. Conscient qu'on est dans le futur, frère, on envoie des messages à des années-lumière. Bien sûr qu'ils sont déjà au courant. Bien sûr qu'ils sont déjà putain au courant.
Tout va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un point de sauvegarde, là. Je commence un petit peu à paniquer. Là. Ça et ça. Je veux un point de sauvegarde, s'il vous plaît. Putain de merde! Oh. Munitions de fusil, j'aime pas ça, moi. Non, tout va bien. Oh, sauvegarde! Putain, mais... Arrêtez de faire du bruit! Oh, oh je suis rassuré. Oh. Il suffisait de demander. Ah, si c'était aussi simple, Alice, je serais pas mort 96 fois, à mon avis. Ah. De toute façon, là, je suis le malin, mais je sais que le karma, il m'a vite rattrapé. J'aime bien les couleurs. Ok, il y a ça à utiliser, du coup. Ok. Non. Oh, j'adore cet esthétisme. Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... on a trouvé une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Oh. Je t'aime, ma chérie. Spoiler, non, puisqu'on sait que dans le 2, elle est morte, très vieille et sans enfant, voilà. Parce que oui, au cas où, si quelqu'un ne comprend pas, en gros, il y a la cryogénation, en gros, le voyage qu'on... Par... Oh putain. Je sais plus comment on appelle ça, quoi. Si, c'est ça, c'est cryogénation. Mais en gros, du coup, dans Alien 2, quand Ellen Ripley se réveille suite aux événements du 1... Mais Amanda a 80 ans et elle est morte. Maintenant tu comprends ce que je fais. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est elle, la fille qui était de... Surchargée de réacteurs à fusion. L'instant. Ils vont faire une putain d'arme nucléaire. Tu vas détruire le vaisseau et la station. Il le fait maintenant, là ? Il fait un truc, toi, non ? Écoutez-moi ! On n'est pas obligé d'en arriver là ! Arrête ! Arrête ça, Marlo ! Marlo, je t'en prie. Non, mais t'inquiète, Lexi, t'inquiète. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature ? Personne ne doit savoir. Voilà. En soi, il est pas si méchant que ça. Il a juste tué quelques humains. Il va faire péter une station avec lui à l'intérieur. Mais non, il est pas du tout méchant. Voilà. Oh! Je crois qu'il est trop tard. Il a enclenché. Taylor, je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Attention, réacteur à fusion se surcharge.
J'appuie sur quoi ? Un système de fusion que je puisse y accéder. Quoi ? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. T'es en train de me dire qu'avec les trois piles qui sont de mon côté, on va arrêter ça là ? C'est une blague ? Qui a jamais tué quelques humains ? Pour arrêter la compagnie. Non mais Kebab, t'as pas compris, je crois. T'as pas compris. La taille de la galaxie, c'est la compagnie. La compagnie a, a littéralement une colonie humaine sur chaque planète habitable ou non. Littéralement, le cas de Alien 2, c'est à cause d'eux aussi. Parce qu'ils savaient ce que c'était. Et à la base, la colonie qu'il y a là-bas, c'est pas pour l'expansion de la race humaine. Hein. C'est pas pour avoir des nouvelles habitations, pour que Patrick et José puissent habiter avec leurs gosses, etc. Et tout, hein. C'est littéralement des tests pour des xénos. C'est la compagnie n'a jamais été gentille. Hein. La compagnie est littéralement la galaxie entière. La seule compagnie entre guillemets qui est indépendante et qui n'est pas rattachée à la Wayland Yutani, c'est l'armée. C'est les Marines. J'appuie sur quoi moi ? Ah, c'est là. Deux secondes. Je pompe. Pompe. C'est bon. J'ai pompé. Super. Tu t'en sors bien, Taylor. Tu t'en sors très bien. Je suis aveugle, Ripley. Fais-moi confiance. Bah. C'est ça. Je sors ma Game Boy, deux secondes. Voilà. Merde. C'est bon. Là. C. V. Carré. C'est bon. Ils sont un peu cons, mais ils sont sympas. En même temps, c'est des Marines. Hein. Ils ont fait la guerre dans pratiquement toute la galaxie, quoi. C'est bon ? Ah, c'est bon. Pardon. Clic droit et clic gauche, ok. Q. Q. Non, c'est Q là. Quoi ? Comment ça va ? Non. Ça va péter. Péter. Ah oui, le Q c'est droite, oui. Quand j'ai eu peur. Non, non, on a réussi. Oh merde! Deux secondes! On va se calmer! Allô? La porte? Merci! Ok! C'est la séquence d'action là, c'est ça? Non, c'est... non, ok. Mais attends, mais je dois aller où du coup? Je dois retourner au pod? Putain, mais la vache! Et là, on fait un tête-à-tête avec le Xeno, je serais tellement heureux. Ok, tout va bien? Ok. Juste par un kick de conscience, hein. Ça tombe bien, t'avais pas sauvegardé. Ah ouais, t'as vu comment je suis content là? En vrai, je crois qu'il y a eu. Oh la vache. A mon avis, il a dû avoir une sauvegarde automatique, je pense. J'espère. Pardon. Rums. Prends ton temps, Ripley, vas-y, prends ton temps, installe-toi bien, mets la ceinture. Terminé la 15e mission. Oh la vache, il en reste encore combien là? Attendez, je regarde vite fait. Dysfonctionnement du couplage de l'appareil. Ricardo. Ripley, l'explosion a bousillé les stabilisateurs en plutôt. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance où tu t'es amarré est niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortir. Ah super! Le Torrens, c'est le vaisseau qui nous a amené. Allô, Sébastopol, vous m'entendez? Oh putain, enfin!
Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminée. Attends, il n'y a pas un point de sauvegarde là ? Non ? Ok. Super. Donc du coup là, on est littéralement retourné dans le seul aile où il y a le xéno. C'est magnifique. Et le point de sauvegarde, il est à l'autre bout du monde. C'est magnifique. Je suis heureux. Ça, je peux l'ouvrir ou pas ? Oui. Allez. Voilà. À gauche, on monte. Ouvre. S. Ok. Bienvenue chez... Deux secondes. L'accueil est là, trouver Ricardo. Soit je prends le risque et on fait tout le tour pour aller sauvegarder. Un conseil, il meurt pas. Je vais y penser. Ah, en fait, on peut y aller en vrai. On a de la compagnie. La sécurité de la Sixon vient de débouler. Avec des armes et furax, j'ai dû me bloquer sous un bureau. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quoi ? C'est possible ça ? Non ! Ils sont dangereux, ils ont plus rien à perdre. Ok, d'accord. Donc là, littéralement, le seul problème là, c'est pas le xéno. C'est les putains d'humains avec des armes à feu. Ça se colle ça, je crois. Donc là, littéralement. Il faut faire attention où on met les pieds. Là, je sais pas ce qu'il y a. On peut passer par là. En vrai, il faut qu'on vise cette sauvegarde-là. Faut qu'on vise la sauvegarde tout en haut. Toi, t'es mort, toi, ouais. Je récupère le maximum de trucs. Oh, j'aime pas ce bruit. Medikit, j'en ai qu'un seul, mais c'est bon. Cocktail Molotov, il m'en manque un truc, merde. Et mais... Fusée à pompe. C'est ok. Laser, c'est bon. Lance-flamme. Lance-flamme, j'en ai... Non, c'est bon. Ok, pistolet à clou, j'en ai qu'un seul. Ok. Mais le son dans ce jeu est magnifique. Là, je vais faire ça avec les humains. Ah oui, oui. Surtout au début, c'était assez marrant de les rencontrer. C'est en mode, bonjour. Je cherche les toilettes. En fait, littéralement, il y a trois ennemis dans le jeu. Les humains, les xénos et les androïdes. Et les humains, c'est les pires. J'ai pas une grenade ? Une grenade fumigène. En vrai, émetteur de son. J'espère que ça va l'attirer. Ou alors c'est eux qu'on capte depuis tout à l'heure ? Putain, mais c'est eux qu'on capte. Ok, c'est bon. Il y en a un là-bas, il y en a un là-bas, je l'ai vu. On peut passer sur le côté. Attends, j'aurais pu passer par là en vrai. Bon. Apparemment, il y a une bouche d'aération. Là-bas. Ouais, j'espère que ça va bien se passer. Ok. Ok, c'est bon. Ah ! Allez ! On respire. Allez. Oh. Quoi ? Attends, c'est quoi ? Pourquoi j'ai des dégâts ? On me tire dessus ? Non, vraiment ? Mais vraiment là, sérieusement ? Ça connecte ou pas ? Rentre !
Putain, les mecs ils m'ont entendu faire Bob le bricoleur, ils vont tirer dessus. Au secours. Heureusement qu'ils visent mal. Android, ok. Du coup, là j'ai paré. Oh, Mazel Tov, je vais sur la gauche. Ok. Stabilisateur orbito opérant à 80% avant chute. Tout va bien, 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 tout va bien. Tout va. Là. Il est où? Il est où? Attendez. Oui. Putain, mais c'était pas un point de sauvegarde, c'était un ordinateur. Je vais me flinguer. Je suis débile. Attends, mais il y a pas de point de sauvegarde? Attends, de quoi? Mais non. Attends, de quoi? Noupoupou. Ah, je réfléchis plus, hein. Je suis énervé. Je ne réfléchis plus. Allez. Oh, headshot. Alors? Heureux? Putain. On charge, on charge, on charge. Non, encore, encore, allez, allez. On charge. Encore. Encore. Merci. Deux secondes. GG, merci. Signal perdu, comment ça? Là. Ça. Là et le là. Oh. Administrateur. Quel enfer. J'ai corrompu, parfait. J'ai ouvert la porte là. Il y a un putain de droïde, il est fou malade. Ça m'aurait étonné qu'il bouge pas, lui. Ok. Bonjour, c'est le suppo. Ok. C'est bon, on est une putain de survivante, là. On va y arriver. C'est obligé qu'on y arrive. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Éclairage, système de haut-parleur, non. Et comment on fait pour aller changer de salle, ok. Ah, voilà. Et quoi? Accès relais. Bon, j'enlève l'éclairage. L'accueil. On n'y a pas accès. Et ça, c'est les coms. Ok. Et je me suis endormi. Ne t'inquiète pas, Alice. T'inquiète pas. Repose-toi. Et j'espère que ça va un peu mieux. Je peux sortir? Merci. Ok. Ok, Molotov. 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Ok. Pistolet à clou, j'ai plus de clou, j'ai plus de clou. Lance-flamme, j'ai les lance-flammes, c'est bon. D'accord. Revolver, je suis à fond. Fusil à pompe, je recharge. Encore, s'il te plaît. 4, ok, d'accord. Taser. J'ajoute une pile, magnifique. Fumigène, excellent. Ok, des émetteurs de son, je vais en faire encore un. Ok, j'ai plus de détecteur. Je crois que le Molotov, il en demande. Eh ouais. Le Molotov en demandait un. Mais bon, je vais pas m'en sortir. Medikit, j'en ai pas besoin. Fusil à pompe, go. Je suis une machine de guerre. Je vais faire honneur à ma mère. On peut se cacher là. Ok. Ok, 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 ok. Alors.
Nous sommes perdus. Et j'espère qu'il n'y a pas le xéno là. Parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde, je suis en train de paniquer. Fichier corrompu, historique du petit matin, machin machin, Apollo, Apollo, voilà. Il est mort, il a tué. D'accord, ok. Erreur, c'est magnifique. Là, je prends. Bonjour. Quelqu'un veut négocier? L'échelle est là, il faut que je passe ici, ok. Hop. Non. Non, replay, s'il te plaît, fais un effort. Y'a rien. Là, je prends. Ok. Échelle, non. De Jacob, pas du tout. Changer d'étage. Est-ce que je dois descendre par là ou je dois descendre par là? Là, il y a un chemin? Je me souviens pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Ripley, s'il te plaît? T'as un putain de fusil à pompe, prends-le. Merci. T'es putain! Il m'a fait peur, ce con! T'as pas visé? Non! Prince des flammes, t'as le cul qui crame. Mais j'ai rechargé. Attendez, vous êtes en train de me expliquer que. Quoi? Il est pas très fut-fut, oui. Ok. Pistolet sans ingrédient, pourquoi pas. Pistolet à clou. Ok. Tout droit du coup. Non, merci. Ouais. Attends, quoi? C'est quoi ça? Pardon. Ah, il met nous celui-là. Ah, c'est l'échelle, d'accord, ok. J'avais déjà ouvert du coup, donc là on descend ici. Il y a rien du tout, ok. On va le ramasser, il y a rien du tout, ok. Ça bip, j'aime pas quand ça bip. Désactivation de la porte, non, on l'avait déjà fait du coup apparemment. 2034, machin, 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 non. À moins que, non. Audio. Marie, si j'avais ta ce message, je suis en route pour le centre de communication Sixon. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que tu essaierais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les... Attends, deux secondes. Ah, c'est les... C'est... Oui, putain, je m'en souviens maintenant. Je m'en souviens où est-ce qu'on est. Du coup, on doit prendre l'escalier et on va arriver par là. Il y a un point de sauvegarde en haut. Oh oui! Le point de sauvegarde sacré! Mais oui! Ah, mais pour être mort 96 fois, crois-moi que je le vénère le truc, hein! Comme je crois que je l'avais dit dans une VOD, j'ai envie de faire carrément la vraie clé en taille réelle, la clé de sauvegarde en vrai, en souvenir. En souvenir, souvenir. Je descends par la droite. Bon, mais attention. J'ai plus de piles? Comment ça, j'ai plus de piles? Bien sûr que je sais, j'ai des piles. On peut se cacher, là y'a rien. Rien récupéré, ok. Je peux te le faire, moi? Mais toi, tu fais pas des crochets, etc. et tout, toi? Non, c'est trop mignon, Malus, mais non, t'inquiète. Si, c'est toi qui fais des crochets, non? Je tiens plus. Y'a rien à récupérer. On descend par là.
Je fais de tout. D'ailleurs, j'ai vu sur ton Instagram la photo que tu avais partagée sur le Discord, ton dessin de la Scott Pilgrim. J'aime beaucoup le dessin. Ok. Pierdo ! Pierdo ! Y'a rien ! L'arnaque, ce truc ! Ricardo ! Ça va ? Les permissions de Marlowe sont encore dans ce terminal. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement et contourner Apollo. Y'a un observatoire près des coms, non ? Ouais. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. Y'a un point de sauvegarde de ton côté ou pas ? Oui, non. Si, y'en a un là-bas. Ricardo ! Ricardo ! Va tout droit, ok. On peut pas aller le voir, mais c'est nul ça ! Ricardo ! J'attends l'ascenseur. On peut pas aller ici, c'est fermé ? Oui, d'accord, ok. C'est curieux. Donc du coup, je prends l'ascenseur et... Pourquoi l'ascenseur ? Re, Alexis. T'as pris ton plat, ça y est ? Tu peux enfin manger ? On peut respirer. Oh, oh. Merci. Oh, j'espère que j'ai pas tué le chauffage slash clim slash déshumidificateur de la cuisine. D'où ma disparition. Ah. D'accord. Trouver l'observation dans le Sébastopol. Du coup, il faut que j'aille sur le contrôle. Ok. On peut aller là, non? Et les androïdes ? Putain, mais il y en a encore, j'y crois pas. Ok. J'arrive pas à contourner le verrou. Il y a un vaisseau là dehors qui attend plus que nous. C'est pas des androïdes. C'est Molotov, aveuglante. En vrai, un petit peu aveuglante là. Et que vous deux ? En vrai, pas besoin. Oui. Lève-toi. Ah, non, si, aveuglante. Rapide et efficace. Ah mais vraiment, touché. Mort. Une machine de guerre, je vous dis. Mais je veux spam. Merci. Ma sœur vient de mourir. Champagne. Ok. Oh c'est bon, je trouvais Sébastopol. Il faut aller en broquer. Ça souffle pas trop ici ? Non, et toi, Xeno, comment ça va ? Mais non, on est à 96 morts, là. Miracle. Pour l'instant, tout va bien. Enfin, pour l'instant. Bien sûr, je dis ça parce qu'il n'y a pas le Xeno, donc on peut attendre un petit peu. Ça va bien, toi ? Ça va bien ou ? Ça va bien ou bien ? Non, ça voit pas. Observatoire, ok. Xenob 2, le renard roublard. Ouais, je veux une qui tue, hein, t'inquiète pas. Hein. Je sais tout de toi. La caméra, merci. Hop là. Le droit, on descend.
Ok. Attends, j'ai sauvegardé ou pas? En vrai, on va pas refaire le chemin, c'est bon. Retenez bien cette phrase, hein. On va pas refaire le chemin. Bonjour. On est en dehors de repos, hein. Retiré, mais du coup, je fais plus partie des VIP normalement. Je préfère être honnête, on sait jamais. Bah oui, t'as été VIP? En quoi, toi aussi, je t'ai spoilé un truc et je m'en souviens plus. Oui? Mais pourquoi? Pourquoi t'étais VIP déjà? Attends, j'essaie de me rappeler. Attends. Pourquoi t'étais VIP déjà? Sale spoiler. Oh, ça y est, Alice, est trop mal. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai. Ah, mais. Ah, ok, d'accord, c'est comme ça, ok.